Parfait. Donc tout le monde à l'écran. Et moi, j'ai juste au milieu, j'ai rien, j'ai sur la gauche avec Oui, c'est ça. l'arborescence. C'est C'est normal ça? pour le moment, il n'y a rien, ouais. D'accord, c'est bon. C'est bon, Oh, tout fonctionne. dis donc, j'en ai de la chance. Donc, on a travaillé sur Photoscape X. La dernière fois, ce qu'on a vu, c'est comment faire pour retoucher une photo et améliorer la qualité d'une photo. Et on avait vu comment ajouter du texte sur cette photo et comment venir lui ajouter plein de petites décorations. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va pouvoir créer ce qu'ils appellent un collage. Alors, un collage, ça va être une mosaïque de vos photos. Vous allez pouvoir venir lui implanter sur une seule photo, vous allez pouvoir mettre 4-5 petites photos. Donc, tout en haut, donc là, vous avez édition, découper traitement par lot et vous trouvez le collage. Vous le voyez, votre collage? Ouais. Oui. Alors, je clique dessus. Il a gardé, vous allez voir, là, il y a plein de couleurs. C'est tout simplement parce qu'il a gardé en mémoire ce qu'on a pu faire la dernière fois, hein. Les couleurs de la dernière fois. Donc, vous allez voir, tout va évoluer quand on va jouer avec. Première chose à faire, ça va être de lui indiquer le format que vous souhaitez utiliser pour créer votre montage. Alors, tout va se passer sur la colonne de droite. Vous voyez que tout en haut, c'est indiqué taille PX et vous avez 1772 par 1181. Vous le visualisez tous? Oui. Alors, je clique dessus, donc sur le format qui est déjà mis. Vous avez trois possibilités. Soit vous lui indiquez un format en pixels. Alors, le problème des pixels, c'est que ça ne nous parle pas. Moi, je vois 1772 par 1181. Ouais. Capable de faire le ratio en centimètres. Ouais. Donc, l'autre solution, ça va être de passer en pouces ou bien de passer en centimètres. En centimètres, il vous indique la largeur et la hauteur. Donc, si vous savez que vous voulez imprimer un truc qui fait 21 par. Enfin, 29,7 par 21, donc un format A4, il vous suffira de lui indiquer cette dimension-là. Si je veux une largeur de 18 cm et une hauteur de 13 cm, il suffit d'écrire les dimensions. Alors, pour l'écriture des dimensions, faites-le en fonction du format que vous savez que vous allez devoir utiliser pour imprimer. Ça vous parle quand je dis ça? Ouais, non, pas du tout, moi. Un peu. Ben, quand vous imprimez une photo, Oui. par exemple, si vous allez à la borne à Carrefour Market, à Saint-Souplet, sur Ouais. les bornes, vous avez différents formats qui vous sont indiqués. Donc, il y a un rapport hauteur-largeur bien particulier. Si j'ai une photo qui fait 10 cm par 10 cm quand je travaille, je ne pourrai jamais l'imprimer en 15 par 10, par exemple. Ah oui, d'accord, oui. OK. Ok. C'est vraiment au niveau du ratio de l'image, Ouais. hauteur-largeur. Donc, quand D'accord. vous indiquez des dimensions, faites attention à savoir si oui ou non vous voulez l'imprimer. Si D'accord. je ne veux pas l'imprimer, je m'en fiche un peu. Si c'est un truc que vous envoyez par mail, j'aurais pu mettre 15 par 15, c'était pas gênant. Ensuite, vous avez la résolution. Dites-moi. Donc 15 par 10, c'est une photo normale, quoi. Non, pas forcément. Oui, C'est là, les dimensions. C'est c'est les une dimensions d'une. résolution. Ouais, Oui. c'est d'une photo. Voilà, d'accord. Celui-ci ne pose pas de problème. Donc, quand je clique sur la taille, vous avez aussi la résolution. Vous voyez qu'il y a 300 ppp. Oui. Là, plus la résolution en ppp est importante, plus vous allez avoir un pixel qui va être fin
Et donc, plus vous allez avoir une qualité d'impression qui va être bonne. Par contre, plus c'est grand, plus votre photo, à l'arrivée, elle va être lourde. Ah, d'accord. Donc, pareil, si c'est quelque chose que vous avez, hein, si vous le mettez en 180, on va dire que c'est quelque chose qui est très correct. Si vous l'imprimez, mettez au minimum du 300. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va au niveau de la taille? Déjà, de déterminer la taille de votre montage. Oui. 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 Alors, ensuite, vous allez avoir l'espacement. Au niveau de l'espacement, le fait de... Pardon, je ne suis pas au bon endroit. Le fait d'agrandir l'espacement, vous voyez que l'espace entre mes deux photos se modifie. Donc, ce qui est en noir, c'est les emplacements des photos. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir séparer mes photos de manière un peu plus importante. Pour Ah, que ce soit plus visuel pour vous, on va déjà aller chercher notre type de montage. Vous voyez qu'ici, vous avez des chiffres dans des cercles. ok. Vous avez 2, 3, 4, 5. Ça Ouais. correspond au nombre de photos que vous allez choisir. Par exemple, si je prends un montage avec 3 photos, il vous donne les mosaïques. Donc, si je choisis celui-ci, j'ai mes 3 implantations de photos qui sont représentées par la partie noire. Si je descends, vous allez retrouver des fonctions pro. Donc, quand vous avez le pro, ça fait partie de la version payante, donc je ne pourrais pas y accéder. Mais si vous descendez, vous avez encore, vous retrouvez ensuite tous les Ah autres, oui. tous les pages. Il y a quand même pas mal de choix. Oui, il y a, même si ça fait partie du... Enfin, l'avantage de ce logiciel, c'est ça, c'est qu'il y a une partie gratuite et une partie payante, mais on n'est pas spécialement trop limité avec la partie Ah oui. gratuite. Ouais. Là, Ouais. on a vraiment moyen de faire pas mal de choses. On a vraiment ma moyen de faire vraiment pas mal de choses. Oui. Et la partie gratuite, moi, elle me convient très bien, hein. Alors, une Oui, fois que j'ai choisi l'emplacement, oui, il y a moyen de faire pas mal de choses. Hein. sympa comme ça. Alors, maintenant que j'ai choisi, dites-moi. Chercher les photos. Voilà, maintenant on va aller chercher les photos. Donc, moi, je continue avec les photos de jardin là. Donc, si je choisis ma première photo, je clique dessus, je reste appuyé et je la glisse dans un emplacement. Va se mettre. Ensuite, je peux aller en chercher une autre. Et on va mettre la dernière. Donc là, mes photos, elles se mettent dans l'emplacement. Après, si je me dis, finalement, je ne voulais pas cette photo-là, mais j'en voulais une autre, il vous suffit de cliquer sur l'autre et de venir la glisser à l'endroit où vous voulez. Voilà, elle s'écrase. Elle s'écrase, en fait. D'accord. Donc, si je reprends les espacements, là, je peux resserrer les photos entre elles ou les éloigner. Je vais pouvoir, au niveau des marges, c'est la marge extérieure, donc je peux faire une marge qui soit plus ou moins grande. Et au niveau de l'arrondi, j'arrondis les angles. Donc, soit vous avez quelque chose de pointu, soit vous allez avoir quelque chose de très rond. Et voilà, je n'avais pas vu ça. Est-ce que ça va? Ouais. Tu peux bouger ta photo parce que par exemple la fleur de gauche, elle est coupée. Est-ce que tu peux Oui, la centrer? Tu peux? on va pouvoir les bouger. Là, je vous montrais juste les boutons là parce que j'avais commencé avant l'implantation des photos. Mais effectivement, je vais pouvoir bouger mes photos. D'accord, Déjà, merci. au niveau de l'espacement des marges et de l'arrondi, est-ce qu'au niveau de la mise en page à proprement parler, est-ce que ça va? Au niveau de Oui. l'espacement, marge et arrondi. Ouais. Alors, je finis et je vous montre après hein, le travail sur la photo en elle-même. Vous allez avoir ensuite le fond. Donc, le premier rectangle, si je clique dessus, je vais trouver ma couleur de fond. Donc là, ça va être une couleur unie. Alors, vous avez plusieurs façons de trouver les couleurs.
Celui-ci, le petit éventail, vous voyez que vous avez des dégradés de couleurs. Donc, par exemple, dans les teintes rouges, je vais avoir différentes teintes rouges. Quand ça me plaît, je clique dessus, c'est cette couleur qui se met dans le fond. Vous avez une autre possibilité, c'est cette mosaïque de couleurs, où là, vous voyez que j'ai du rose, du vert, du jaune, encore du vert et du bleu. En fait, là, c'est pour avoir l'harmonie des couleurs. Cette couleur-là se marie bien avec les autres. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Par exemple, si vous mettez en fond rouge, vous savez que si vous écrivez comme ça, vous allez pas, les couleurs, elles ne vont pas jurer entre elles. Voilà, ça, c'est important. Donc, moi, je trouve d'avoir une harmonie des couleurs, c'est tout le temps un peu compliqué. Oui. Donc là, ça vous aide à avoir des couleurs qui sont harmonisées entre elles. Ensuite, on va avoir, donc, j'ai sur la droite une réglette où je choisis la teinte qui m'intéresse. Ensuite, je vais avoir le dégradé de cette couleur. Donc, il suffit que je me déplace comme je veux pour avoir ce dégradé. J'ai la teinte. Ensuite, j'ai le rond où là, c'est le même principe, sauf que dans le cercle, je choisis la teinte. Et sur la droite, j'ai la teinte de la plus claire au plus foncé. Et vous avez en dernier, là, c'est vous qui allez créer votre couleur. Si je veux plus de rouge, moins de rouge, moins de vert, plus de vert, et plus de bleu ou moins de bleu. Et là, c'est vous qui créez votre couleur. Est-ce que ça va? Oui. Mais quand c'est tout fait, c'est quand même mieux. Oui, hein, ça. Oui. Oui, t'as raison. Ensuite, vous avez donc ces petits motifs. Hein. Alors, l'avantage, en fait, c'est par rapport à la semaine dernière, quand on a pu jouer sur le texte, écrire avec des motifs, etc., la logique, elle est la même. Donc, par exemple, si je vais sur les petits points, donc là, on retrouve tous les pois proposés. Si je clique sur 1, vous voyez que les petits pois vont se mettre en motif de fond. Ouais. Ces petits pois, je peux jouer sur l'échelle où je vais avoir des petits pois plus ou moins gros. X, oui, ça sera toujours sur les bordures, quoi. Ouais, c'est toujours sur la bordure, là. Voilà, d'accord. Donc, X et Y, je les déplace pour les faire venir comme je veux. Et rotation, je les tourne. Alors, sur les petits pois, ça ne se voit pas trop. Mais sur certains motifs, ce sera plus flagrant. Donc, après, on a toutes les catégories de motifs. Et par contre, vous trouvez aussi des choses qui se trouvent dans la version pro. Donc, je ne pourrais pas les prendre. Mais c'est pareil, hein, finalement, on a quand même pas mal de choix. Hein. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Oui. On peut s'amuser. Mais on peut s'amuser et je pense que c'est en testant et en vous amusant avec que vous allez vous familiariser et puis que vous allez vous créer des besoins en fait. Oui. La dernière possibilité, c'est de créer des dégradés. Donc, c'est le troisième petit carré. Au niveau des dégradés, alors le principe, il est le même. Vous avez plusieurs types de dégradés. Donc, je clique sur un. J'en ai aussi qui font partie de la version pro. Donc, je ne peux pas les prendre. Mais après, on n'est pas spécialement limité parce qu'avec l'échelle, vous changez. Vous voyez que mon dégradé, il se déplace. Mmh. Ah oui. X, c'est pareil, vous changez la façon où est projeté le dégradé. Y, ça va être le même principe. Rotation, c'est pareil, vous faites bouger les couleurs de votre dégradé. Et la teinte, là, vous changez les couleurs du dégradé. Vous changez les teintes. Pardon ? Et c'est sympa en dégradé. J'ai pas entendu. C'est joli. Oui, ça fait des choses sympas, oui. Après, moi, j'aime bien dans les tons pastels, quand c'est des teintes un peu flashy,
j'aime moins. Et après, enfin, c'est tout une question de goût. Hein. Au niveau de saturation, vous pouvez intensifier les couleurs. Donc, soit vous diminuez les couleurs, soit si je vais complètement à droite, j'intensifie les couleurs de mon dégradé. Si ça me plaît, je fais OK et c'est ce qui va être appliqué. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Ouais. Mmh. Alors, vous avez l'opacité du fond. L'opacité du fond, vous rendez votre fond transparent. Il n'y a pas grand intérêt, hein, sauf si vous voulez le mettre dans un montage, imbriquer ça dans un autre montage photo. Mais si c'est pour envoyer par mail ou pour imprimer, jouez pas sur l'opacité, laissez-le à fond. Donc maintenant, on va pouvoir travailler sur les photos à proprement parler. Donc si je prends mon passiflore, là on voit qu'effectivement, il est mal positionné. Donc quand je clique dessus, vous voyez, j'ai la main, je clique, je reste appuyé et je peux déplacer ma photo pour la repositionner comme je veux dans le cadre. Ah oui. Donc là, voilà, vous pouvez, celle-ci, c'est pareil. Je vais pouvoir la repositionner alors sur la hauteur et celle-ci, de la même manière, je peux la repositionner. Vous avez, quand vous cliquez sur une photo, vous avez ici le zoom. Vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Mmh. Vous l'avez réalisé, elle est sur cette maison. Et je ne peux pas la déplacer ailleurs, mais elle est sur, sur où c'était marqué Welcome sur la maison à oiseaux. Là. Oui. Donc, cette photo de passiflore, si je joue avec le zoom, je la zoome ou je la dézoome. Vous avez ici la petite flèche qui s'enroule. On peut la tourner. Ça va vous permettre de la tourner dans un sens ou dans un autre. Donc là, j'ai mis la tête à l'envers. Mais en jouant avec ça, je peux réussir à l'avoir peut-être un peu plus. Vous voyez, je l'ai décalé. Vous avez ensuite couleur d'origine. Ça va vous permettre, par exemple, je peux la passer en sépia. Donc là, ma photo bascule en sépia. C'est les filtres de couleur. Hein. Soit vous mettez en noir et blanc, en sépia, etc. Si je remets couleur d'origine, je retrouve ma photo telle qu'elle était. Film. Je vais y aller après. Non, bon, je vais vous le montrer maintenant. Tant pis, je suis dessus. Film, c'est ce qui va vous permettre. On retrouve exactement tous les filtres qu'on a pu voir précédemment. Donc, le fait de cliquer dessus, vous avez tous vos filtres et vous voyez ce que ça donne aussitôt. Par exemple, si je vais sur saleté et rayures, je choisis cette photo-là, enfin ce filtre-là, c'est celui-ci qui va s'appliquer. D'accord. Si je vais dans texture, là, vous voyez, je l'ai mis sur, sur toile. Photo ancienne, je vais choisir celui-ci, par exemple. Si je fais appliquer en bas, c'est ce filtre-là qui va s'appliquer sur ma photo. Allô ? Oui. Ça fonctionne ? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Moi, oui, je t'entends bien. Non, ça va. S'il y en a une qui m'entend, normalement, tout le monde m'entend. Oui, oui. Il y a seulement moment. Vous avez. Donc, au niveau des filtres, est-ce que ça va? Oui. Oui. Alors, on n'a pas besoin. Du coup, on n'a pas besoin de. Dans le montage, parce que si vous avez besoin de jouer sur un filtre, vous pouvez le faire là directement. Ah oui. Ouais, il n'y a pas besoin, vu que là les principaux boutons, en fait, ils sont accessibles. Si je me mets sur la petite maison maintenant, sur cette photo de cabane à oiseaux, là c'est pareil, je retrouve, donc je peux zoomer, dézoomer, je peux le tourner, couleur d'origine et film. Et ici vous avez possibilité de jouer sur les symétries. Donc, axe horizontal, ce qui est à gauche passe à droite et ce qui est à droite passe à gauche.
vertical, ce qui est au-dessus passe en dessous et inversement. Et là, vous allez trouver approfondir, éclaircir, obscurcir et température, ce qui va vous permettre de retoucher votre photo. C'est-à-dire si je vais à l'extrême, donc là, j'ai approfondi les couleurs. Là, je peux éclaircir. Je vais à l'extrême exprès. Hein. Donc là, vous voyez que ça change. Je peux obscurcir et je peux jouer sur la température de couleur. Donc là, vous avez des outils basiques. Vous avez des outils basiques pour retoucher votre photo. OK. Oui, oui. Donc c'est pour ça, il n'y a pas besoin de passer par de la retouche précédente. Enfin, avant. Là, je l'ai complètement. Avant, parce qu'on a possibilité de le faire d'ici, en fait. Mm-hmm. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Alors, donc là, après, vous pouvez faire sur 3 photos. Vous avez aussi, vous remarquez, vous avez des petits points et vous avez un trait. Quand je me mets sur le trait, vous voyez qu'il passe en bleu. Si je clique et je reste appuyée, je vais pouvoir changer les tailles. Vous voyez, là, mon passifleur est tout petit, alors que les deux autres vont être plus grandes au niveau des photos. Donc, c'est ce qui vous permet. Donc là, je vais prendre ce trait-là maintenant. Alors, si j'arrive à l'attraper. Dans celui-ci, je ne peux pas le modifier. Mais quand vous avez le trait en bleu, c'est ce qui vous permet de changer la présentation. Et vous avez par moment des points gris. Donc là, si je clique sur le point, là, vous voyez, j'ai changé le trait. Vous changez l'angle. Donc, il faut qu'il y ait des petits points bleus pour qu'on puisse changer. C'est ça. Il faut qu'il y ait des petits points pour qu'on puisse changer, ouais. D'accord. Mais vous vous êtes mis sur la ligne ou ils apparaissent en automatique? Non, quand vous passez votre souris dessus, ça apparaît. Là, vous voyez le trait, je passe dessus, il passe en bleu. Donc, et l'autre, il ne fait pas l'autre, par contre. Et l'autre, il ne le fait pas. Donc, ça veut dire que je ne peux pas l'atteindre. Par contre, j'ai ici un petit point. Et quand je vais mettre ma souris dessus, là, le point, il passe en bleu. Donc, si je clique, c'est que je peux modifier l'apparence. OK, d'accord. Donc, en fait, il suffit de passer votre souris sur les différents éléments. Mmh. Vous passez sans cliquer. On fait des essais. Si ça change de... Est-ce que ça va? Oui. Oui. Alors, on a ensuite insertion, donc qui est tout en bas des mises en forme proposées. Si je vais sur insertion, on va retrouver le fait de la possibilité d'ajouter je ne t'entends plus. Oui, par moment, vous entendez. On va avoir possibilité d'ajouter donc au niveau des autocollants, des images, illustrations, des textes. D'accord. Si on va sur autocollants, on va retrouver toutes les petits autocollants que vous pouvez mettre, hein, ces petites émoticônes. C'est ça. Si je clique sur je fais OK, vous avez ce petit autocollant qui apparaît. Donc si je vais dans les coins, vous voyez, j'agrandis, je diminue et mon petit autocollant est appliqué. OK. Alors, au niveau des autocollants, vous êtes limité, mais c'est ce que je vous disais la dernière fois, parce que là, il y en a pas mal qui se trouvent dans la version pro. Vous voyez, si je prends les petits cœurs qui sont là, ceux-là font partie de la version pro. Okay. Alors, il y a une façon de contourner le problème. Si je vais dans insertion image, c'est le fait que vous téléchargez les icônes sur Internet. Donc, sur la chaîne YouTube, je vous en ai fait 2 vidéos. Je vous ai mis 2 sites Internet différents qui vous permettent de récupérer des icônes et vous allez pouvoir les implanter sans problème sur vos montages. Si je prends par exemple la coccinelle, j'ai ma petite coccinelle qui apparaît. Je vais dans les coins et je peux positionner la coccinelle comme je veux. OK.
Et là, c'est pareil. Étant donné que c'est une image qui est en PNG, j'ai bien une transparence. Que ça va? Ouais. Alors ensuite, vous avez les illustrations. Là, les illustrations, ça va être d'ajouter des petites formes. Par exemple, si j'ajoute une flèche, alors je ne sais pas, moi, on va prendre cette flèche-là, par exemple. Je clique dessus, OK, et j'ai cette flèche qui apparaît. Si je vais dans les coins, je peux l'agrandir ou la diminuer. Et ensuite, sur la droite, je vais trouver la mise en forme de présentation. Donc, je veux remplir, soit je veux remplir, soit je veux juste les contours de ma flèche. D'accord? Donc, Ah, moi, si d'accord. je remplis, après, je retrouve mes couleurs, mes motifs ou mes dégradés. Alors, je vais la mettre, je ne sais pas moi, comme ça. Vous avez l'angle pour la tourner dans un sens ou dans l'autre. L'opacité, c'est pareil. Transformation contour, ombre portée, lueur externe et dégradé. Donc, si je vais sur transformation, c'est vous qui pouvez changer l'apparence de votre flèche. J'ai vu la semaine dernière. Hein. Ça vous parle, ça? Vous en ratez? Donc là, le fait de jouer avec les petits points, je peux changer la forme de ma flèche. Donc, vous changez vraiment son apparence. Vous avez ensuite les contours. Donc, c'est si vous voulez mettre un contour à votre flèche, noir, jouer sur l'épaisseur de mon contour. Si vous voulez une ombre portée, donc vous ajoutez une ombre sous votre flèche. Alors, je vais mettre une ombre jaune, comme ça vous allez mieux la voir. Lueur externe. Alors j'enlève l'ombre portée parce que ça fait un peu le mix. Là, vous voyez, ça vous fait un halo lumineux tout autour. Je l'ai grossi. Alors après, je peux très bien avoir une ombre portée et une lueur externe. Je peux avoir les deux. Et le problème, lui, il va en prendre que un sur les deux. Ensuite, j'ai le dégradé où là, vous faites votre propre dégradé de couleur. Donc, soit par rapport à des teintes qui sont déjà proposées, soit c'est vous qui choisissez les couleurs. Donc, si je vais dans mes couleurs là, par exemple, je sais que ce bleu-là et ce orange-là, les couleurs, elles se marient bien entre elles. Et ça va? Et l'angle? L'angle, c'est ce qui va vous changer la projection de votre, comment ça s'appelle? La projection de votre dégradé. Je cherche mes mots. Est-ce que ça va? Oui. Alors, quand vous avez terminé votre montage, là, on peut dire que mon montage, il est terminé. Non, il n'est pas terminé, on n'a pas mis le texte. Donc, si je retourne sur insertion, je vous dis des bêtises. On a vu, donc, autocollant, image, illustration. Et là, on va mettre texte. Et là, c'est exactement pareil que la semaine dernière. Donc, le texte, par défaut, il se positionne en plein milieu de votre écran. Vous avez ensuite, sur la droite, donc, le cadre où vous allez inscrire votre texte. Donc, par exemple, je vais mettre jardin. Est-ce que vous le voyez, mon texte? Oui. Ouais. Alors, On peut par contre, changer les chez vous, couleurs. ouais, on va pouvoir changer les couleurs. Mais juste par contre, chez vous, au début, le texte, il va peut-être être écrit en très petit. Donc, vous ne le visualiserez pas. Alors, ce n'est pas gênant parce que on sait que dès que j'ai cette colonne-là, c'est que mon texte est bien pris en compte. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez une taille très grande. Par exemple, vous mettez une taille, je sais pas moi, 200. Si c'est, il faut mieux que ce soit plus grand que trop petit, parce que au moins vous le visualiserez sur l'image et vous pourrez redéplacer ce texte pour pouvoir le mettre en forme derrière. Donc là, moi, il est visualisé parce que il garde. Et là, l'autre avantage de ce logiciel,
c'est que d'une fois sur l'autre, il garde les réglages que vous aviez pu faire précédemment. Donc, moi, il a gardé la police que j'ai mis la dernière fois, la taille que j'ai appliquée, la couleur, etc. Donc, là, si je me dis que la taille est trop petite, par exemple, je peux écrire 300 et il va prendre en compte cette taille directement. Je peux ensuite aller chercher ma police. Donc, si je clique dessus, elle est prise en compte. Et là, si je me dis finalement mon texte, il est trop petit, trop grand, vous voyez que les points bleus, ils sont facilement accessibles dans les coins. Mmh. Donc, si je diminue ou que j'agrandis ce texte, là, je peux vraiment adapter la taille plus facilement. Et vous remarquez que sur la droite, là, je suis passée à 302. Si je rebouge, je le repositionne sur mon montage. Et là, mon texte est pris en compte. Vous avez ensuite une possibilité. On ne vous entend plus. Moi, je ne vous entends plus. Moi, j'entends. Moi, j'entendais. Moi, j'entends rien du tout. Non, mais là, il y a une coupure. Ouais. Attendez. Là. Oui, non, mais il y a eu une coupure. Ah, voilà. On t'en retrouve. Vous me retrouvez. Alors, dans les coins, vous avez entendu quand je disais qu'il fallait bouger dans les coins le. Oui, ça, oui, ça, on fait comme. Positionner. Je crois qu'il y a un texte. D'accord. Alors, d'accord. Ensuite, on a le B et le I, le U pour mettre en gras en italique et souligné. Mm-hmm. D'accord. On a le S pour barrer le texte. Alors, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ouais. Vous avez les alignements donc à gauche, au centre et à droite. Mm-hmm. Alors là, vous voyez que j'ai centré et on ne voit rien du tout. Là, on va voir quelque chose si on écrit sur deux lignes. Donc là, j'ai écrit sur deux lignes. Donc, j'ai bien à gauche, au centre et à droite. Mm-hmm. D'accord. Il n'y a jamais justifié. Non, parce qu'ils partent du principe. Ils partent du principe que là, c'est juste un petit texte. Vous n'allez pas écrire un roman. D'accord. Et ouais. Justifié. Oui, c'est pas sur des longs documents, sur des gros paragraphes en fait. Ouais. Donc, c'est pour d'accord. ça que sur les outils de retouche photo et de montage photo, jamais. Vous n'aurez pas le justifié. Ouais. D'accord. C'est pas de la grosse mise en page comme sur un publisher, un traitement de texte. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous ne l'avez pas. D'accord. Ensuite, on va retrouver les couleurs avec le même principe. Donc, avec une couleur ou bien avec un motif ou bien avec un dégradé. Mmh. D'accord. Ouais. Ça, une fois que vous avez compris le principe, en fait, l'avantage, c'est que c'est toujours pareil après. Ouais. Du moment que vous avez compris le principe, ça fonctionne toujours pareil. Ensuite, vous avez l'angle pour tourner votre texte ou l'écrire penché. Vous avez l'opacité pour rendre plus ou moins transparent. Donc là, vous voyez qu'à travers, je vois l'image de dessous. Vous avez transformation, contour, ombre portée, lueur externe et dégradé. Et c'est exactement comme on a vu précédemment. Transformation, je le coche, transformation. C'est là où je vais pouvoir écrire, par exemple, un texte très en hauteur, enfin très empâté, ou bien là je vais le mettre. Alors si je prends le petit point bleu, je l'incline plus d'un côté que de l'autre. Alors après vous pouvez le déformer encore plus. Et déformer également, vous pouvez faire en prisme
Et là, c'est, il vous redonne d'autres types de transformation. Alors ça, c'est pareil, hein, faut jouer avec pour voir ce que vous voulez faire exactement. Après, vous avez le décalage. Donc, si je fais OK, ma transformation va être prise en compte. Alors, si je décoche transformation, contour. Donc là, vous voyez que j'ai un contour noir autour de mes lettres. Si je l'enlève, ça va me faire ça. Mmh. Alors, contour permet généralement d'avoir un texte qui ressort plus sain. Ombre portée, c'est pareil. Là, j'ai une ombre portée jaune. Je peux l'enlever si je veux. Lueur externe, donc c'est cet halo lumineux. Et ensuite, je peux créer mon propre dégradé. On a de quoi s'occuper. Ouais, y a... moi, je trouve que pour ce genre de choses, pour un anniversaire ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Hein. Mmh. Les petites mosaïques de photos, c'est pas mal. Après, même si vous faites un format qui peut être imprimé, ça peut vous faire des choses assez sympas. Hein. Faut se faire la main. C'est ça, faut se faire la main. Après, il n'y a pas de risque d'erreur parce que il écrase pas la photo d'origine. C'est un montage à partir d'autres photos. Donc, vous créez une nouveauté, en fait. Donc, vos photos d'origine, elles craignent rien. Oui, ça, c'est important. Vous ne risquez pas de tout casser. Ouais. Et là, voilà. Et là, comme vous avez fini, on n'entend plus. Non. Il y a des coupures. Ouais. Il y a encore une coupure. Ouais. Ça marche je pas. Vous ai... Je vous ai contaminé. quand vous avez terminé, vous avez ici en bas à droite enregistré. Cliquez sur enregistrer. Vous m'entendez ? Oui. Oui, mais il y a eu un moment où on n'a rien entendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je disais, vous risquez pas de faire d'erreur ? Ça marche là ? Oui, 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 c'est bon là. On vous entend. Ouais. Donc, vous risquez. Il ne touche pas à vos photos d'origine. C'est vraiment un nouveau montage. Donc là, si vous voulez conserver ce montage, il suffit de faire enregistrer en bas à droite. Ouais. Ouais. Vous le visualisez, l'enregistrer ? Oui. Oui. Oh, mais si on l'enregistre, on peut revenir pour remodifier quelque chose ou pas ? On n'entend plus. On ne vous entend plus, Nathalie. Là, vous m'entendez ? Oui. On entend, mais par saccadé. On n'entend plus. Ouais. Ouais, alors, vous m'entendez là ou pas ? Oui. 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 Ce serait dommage, il nous reste juste l'enregistrement à voir. Ce serait dommage que ça ne marche plus. Ouais. Alors, donc, pour enregistrer, vous avez enregistré qui se trouve en bas à droite de votre écran. Ouais. Alors, si vous avez vu, vous ne le visualisez pas forcément. Donc, si je clique sur enregistrer. On n'entend plus. Avez cette fenêtre, vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Oui. Ça marche là ? Oui. Là, c'est à vous de lui dire où vous voulez enregistrer. Donc, par exemple, sur image. Hein ? Nom du fichier, je vais l'appeler collage jeudi. D'accord ? Uh-huh. Et je vais pouvoir enregistrer. D'accord. OK. Donc là, c'est vraiment un montage qui s'ouvre. Si je fais afficher dans l'explorateur, dites-moi Annie. Oui, là on l'a enregistré, mais si jamais on dit oh bah tiens, j'avais quelque chose à rajouter, est-ce qu'on peut revenir sur la photo ou il faut refaire tout? Alors là, le collage, normalement, je ne peux pas le remodifier une fois qu'il est terminé. D'accord, et on n'a pas possibilité de mettre projet, admettons. Non.
Non, là, vous n'aurez pas le projet. Il vous enregistre directement le résultat. D'accord. Mais là, du coup, vous avez votre résultat qui apparaîtra comme ça. Ah, ok. Et après, cette photo, elle peut être envoyée par mail, etc., ou imprimée. D'accord. Ça posera pas de soucis. Ok. Donc, avant d'enregistrer, il faut voir si on est bien d'accord avec tout ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Et en fait, je vous ai dit des bêtises, mais si on va sur plus, en fait, on l'a enregistré le projet. Ah, on l'a alors. Ouais, on l'a. Faut pas faire enregistrer, faut faire les trois petits points plus. Et là, vous avez enregistré le projet. D'accord. Donc, comme ça, on peut revenir dessus. Vous avez pro à côté. Ok. Oui. Donc, ce qui veut dire que si on veut modifier, on va enregistrer, on rouvre le projet. Alors. Oui, mais ça fait enregistrer le projet fait partie de la version pro, Annie. Ah d'accord, ok. D'accord, donc on peut pas. Jamais, non, on peut pas, mais si jamais mon projet, là je me dis mon projet il est bon, et puis vous regardez, vous l'avez enregistré, tout le temps que le logiciel n'est pas fermé, c'est pas gênant. Par contre, si vous vous dites le projet, vous avez fermé le logiciel, etc., et vous vouliez rajouter, je ne sais pas moi, jardin et été ici en bas à droite, par exemple, ouais. Bah là, si je vais dans édition, images, alors il faut que je retrouve mon projet. Hein. Oui. Édition, images, et il est là. Si je l'ouvre, je peux... etc. Mais quand je suis ici, si je vais dans insertion en haut à droite, texte, je peux rajouter du texte. Je vais pouvoir rajouter du texte, des autocollants, etc. Par contre, je ne pourrais pas modifier la structure à proprement parler. Oui, ce qui est mis, ce qui est enregistré, on ne pourra pas le toucher. Mais on peut rajouter des choses. C'est ça. Non. Vous pourrez rajouter du texte, des autocollants, etc. D'accord. Mais là, on passera par édition et non plus par collage. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que ça va ? Oui. 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 Ouais. Oui, oui. Avez-vous des questions ? Non, il faut pratiquer. Il faut pratiquer maintenant pour moi. Il y a de quoi s'amuser. Ah ben ça c'est sûr, hein, vous avez de quoi faire. Hein. Oui. Vous avez de quoi faire. Mais après, il ne faut pas avoir peur d'aller regarder dans les différents boutons. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque d'erreur possible. Mm-hmm. Alors, j'espère que ça va marcher. Vous avez combiné. Donc là, on a fait collage, mais vous avez possibilité de combiner. Si vous faites combiner, là, vous pouvez mettre côte à côte des photos. Par exemple, donc quand vous avez vos photos, vous voyez ici, j'ai une bande grise tout en haut qui est un peu plus épaisse. Donc, oui. Je déplace les photos qui m'intéressent. Oui. Ouais. Il est beau ton chat. Ouais, il est surtout aussi pénible qu'il est beau, je pense. Donc là, vous avez vos photos. Alors, vous ne pouvez pas choisir, comment dire, vous ne pouvez pas faire autant de choses que l'on a vu précédemment. Là, en fait, c'est juste, si vous voulez avoir, je ne sais pas moi. Un marque-page ? Ouais, un marque-page ou un truc comme ça. Mais, c'est-à-dire des photos à la suite. Vous ne pouvez pas faire autant de choses que vous le souhaitiez. Enfin, d'accord. Donc là, ouais, ou sinon, ça peut vous permettre de faire une grille parce que je peux les avoir à l'horizontale, à la verticale ou sous forme de mosaïque. Ça fait comme, vous savez, lorsqu'on imprime des photos où on a la première page où on a toutes les photos en tout petit. D'accord. Ok. On va pouvoir faire ce genre de truc, par exemple. Donc là, c'est pareil, si je fais horizontal, on va dire, je peux choisir donc, taille d'origine de photo,
je peux choisir les marges donc extérieures, l'espacement, l'arrondi des photos et le fond. Et là, une fois que c'est terminé, je peux enregistrer. Mais vous voyez, je ne peux pas retoucher la qualité de la photo, je ne peux pas ajouter du texte, etc. D'accord. Donc là, après, c'est pareil, on enregistre et puis comme ça, vous avez le résultat finalisé. Et on peut mettre combien de photos l'une à côté de l'autre, comme ça, trois ? J'ai pas testé. Après, on peut en mettre plusieurs. Sauf que le problème, vous allez avoir un truc qui est énorme derrière. Parce que là, vous voyez que je suis en taille produite. Je suis en 7992 par 2088 pixels. Ah oui, mais si on veut comme un marque-page, admettons, après, il va falloir qu'on rechange nos tailles. Ben, là, il faudrait lui indiquer la hauteur. Par exemple, je sais que je ne veux pas une hauteur qui fasse plus de 1000 pixels. Et là, il va adapter en fonction de ce que vous lui donnez. Ah oui, donc là, il n'y en aura pas que 3, il n'y en aura que 2. Si, j'ai les 3. J'ai quand même les 3, mais elles ne sont pas affichées. Il faudrait que je dézoome. Ah, ok. Voilà. Mais après, oui, effectivement, ça vous fait un truc qui peut devenir tout de suite énorme. 1000, c'est la longueur qu'il faut pour une photo de 21. À 1000, c'est la hauteur. Un marque-page. Non, je ne sais pas. Je sais pas, parce que là, on ne peut parler qu'en pixels. Ah oui, ah, il n'y a pas possibilité de mettre des centimètres. Non, c'est pour ça que là, vous êtes limité, en fait. Ouais. Après, il faudrait presque, quand vous imprimez, vous allez rejouer sur le truc quand vous allez imprimer. Mais on va dire que là, on n'est pas dans… C'est juste un truc, je pense, plus pour avoir un point de repère sur des photos. Ah oui. Je pense que c'est plus ça. C'est pas pour faire un truc qui va être imprimé derrière. C'est vraiment plus pour faire un point de repère. C'est pour ça que je vous disais les petites grilles, comme lorsqu'on imprime nos photos. Ok. De toute façon, là, le but du jeu, jouer avec, essayer. Mais moi, celles-ci, je ne les imprimerai pas. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui. Vous avez su ou pas ? Non, pour l'instant, non. Après, ça va. Non. Quand tu ne seras plus là. On sera perdu. Ouais, oui, c'est ça. C'est quand vous m'envoyez un mail. Oui. Si vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Oui. C'est gentil. Alors, j'arrête l'enregistrement. Ok.